ce concert, c'était pour ramasser des fonds pour Assayed, qui est en fait, c'est comme un organisme qu'ils ont parti en Haïti pour pouvoir aider la scolarité d'un groupe d'enfants. Moi, j'ai rencontré Daniel l'an dernier et elle m'avait parlé de ce projet-là. Et je lui avais proposé aussi de faire un récital. J'ai dit, écoute, moi, l'éducation, c'est comme tellement important parce que ça peut sortir les gens de la misère. La connaissance, l'éducation, ça peut leur permettre d'aller loin, de trouver un travail et comme ça de subvenir à leurs besoins. Ça me rejoignait et j'ai voulu prêter ma voix pour pouvoir ramasser des fonds. L'an dernier, on avait ramassé près de 3 000 $. Donc cette année, on espère que ça sera à peu près pareil. Et on voudrait vraiment que ça puisse augmenter. Comme l'an dernier, ça leur a permis vraiment de tout couvrir l'année en scolarité. Donc, parce qu'au départ, c'était vraiment des fonds qui sortaient de la poche des personnes dont le projet tenait à cœur. Mais des fois, c'est pas des poches sans fonds, là, à un moment donné, c'est pas évident. Donc ça leur a vraiment permis de prendre cet argent-là vraiment pour l'école. Et on espère que cette année, ça va être la même chose. Et on espère que l'édition de l'an prochain, ce sera encore plus. Et que ça grossisse tellement qu'on va pouvoir vraiment envoyer des bons montants à ces gens-là, à cette école-là, pour ces enfants-là. Daniel a eu l'idée d'organiser cette soirée pour subventionner l'association que mon père a en Haïti qui s'appelle Assayed pour venir en aide aux enfants en Haïti pour les aider à aller à l'école surtout. Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que ça existe. C'est une valeur que mon père nous a toujours transmise. Alors qu'il venait d'arriver dans un petit village en Haïti où il n'y avait pas d'école, il a commencé la première école du village sur un pied de manguier, je pense, ou flamboyant. Non seulement pour les enfants, même aussi les adultes aussi allaient à son école. Donc c'est une valeur très chère à notre famille depuis très longtemps. J'ai été épatée de ce que j'ai entendu. Une voix extraordinaire. C'est de haute calibre, ça. Elle s'est donnée corps et âme pour nous chanter cet opéra-là. Waouh! Moi, c'est Marie-Céline Bernard. Elle nous fait vibrer, elle nous fait apprivoiser l'art lyrique par sa façon de chanter et d'être sur scène. Tout son être est avec nous, chante avec elle. Et on a l'impression qu'elle chante pour chacun de nous. Un vrai cadeau. Et grâce à Marie-Josée, j'ai appris à aimer l'opéra. Quelle belle voix! C'est sûr, ça fait la quatrième fois, je pense, que j'entends Marie-Josée. Moi, je dis que c'est un don divin. Et de plus, c'est pour une bonne cause, c'est sûr, je reviendrai. Et puis, c'est la fierté pour les Haïtiens d'avoir une belle voix comme ça percée
sous ce marché d'artistes très serré, très petit. C'était extraordinaire, formidable. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette soirée. Elle a de la grâce, elle est élégante et elle a beaucoup d'humour aussi pendant son spectacle qui rend les choses beaucoup plus agréables. Marie-Josée nous fait rire, elle nous fait vivre le moment, rend l'opéra accessible parce qu'elle nous raconte l'histoire. Elle est vraiment... Il n'y a pas de mots et il n'y a pas de notes qu'on peut lui donner, sinon qu'une note parfaite. Par rapport à son implication aussi, je trouve que cela démontre un côté encore plus grandiose de sa personne. Donc d'offrir un spectacle gracieusement à l'intention des enfants d'Haïti qui en ont besoin, je ne peux qu'applaudir ce geste. Donc merci Marie-Josée pour ton grand cœur. Et je pense que beaucoup d'artistes devraient faire de même et emboîter le pas. C'était de toute beauté, une intimité indescriptible. Ça a été une belle soirée avec Marie-Josée Laure. Je suis Myrlande, la présidente de la Fondation des médecins canado-haïtiens. Je dois vous dire honnêtement, avec Marie-Josée, elle nous emporte un peu partout dans le monde. Hein. Ça a été une soirée extraordinaire, extraordinaire. Elle a déployé vraiment beaucoup ce soir-là, elle nous a donné beaucoup. Et surtout, la chanson qui m'a plu, c'est l'avant-dernière chanson qu'elle a interprétée. Je ne me rappelle pas du titre, mais là, elle a développé sa voix dans toutes les dimensions possibles. Donc vraiment, c'est extraordinaire et je pense que c'est quelqu'un qui va très très loin. Ce que je retiens de Marie-Josée, au-delà de ce immense talent, il y a cette générosité chez elle pour de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir, de vouloir aider. Et puis ça, il n'y a pas de prix pour ça. Voir ce immense talent au service d'être plus démunis, chapeau, chapeau, chapeau. Je dis que c'est une grande voix, une très belle voix pour les sans voix. Et Marie-Josée a chanté pour nous ce soir, a chanté pour les enfants de la SAED. SAED, c'est une association qui vient en aide aux personnes, aux enfants défavorisés dans Carrefour La Colline. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de ces enfants-là de la tête aux pieds. On leur offre l'éducation gratuitement et un repas chaud par jour et puis on les encadre jusqu'à 4e secondaire. Alors c'est ça, donc à chaque année on reprendra cette activité dans le but de financer leurs études et de financer justement l'année scolaire de ces enfants-là. Et cette année encore, je pense qu'on a ramassé à peu près 3 000 $, mais l'année prochaine, on veut aller au moins 4 fois qui pourra vraiment financer toute l'année scolaire de tous ces enfants-là, à peu près 120 études, 120 élèves. C'est une activité extraordinaire. Nous sentons contents. Et chaque ça qui arrive dans la vie, nous, c'est comme si c'est une émotion. Parce que nous pas penser à ça. À une grande chose, c'est vraiment une grande chose. Et le nous, comme c'est bon Dieu qui a dirigé tout le bagaille, et c'est bon Dieu qui voyait l'occasion ça pour nous. Capable d'aider avec ça, nous pas de penser.